Ça y est, pêcheur. Ah, enfin au bord de la Moselle, ça fait plaisir. Ah, il fait bon, il fait beau. Il fait légèrement nuageux. J'avais 15-20 heures de pêche devant moi, alors j'ai décidé de venir devant la Moselle. Ça fait 2 mois et demi que je ne suis pas venu. J'ai pas fait de préamorçage cette fois-ci, hein. J'avais pas prévu, hein. Alors, je me suis dit, je vais faire une pêche au spot maintenant que j'ai le bateau amorceur et tout, mais en fait, il y a encore pas mal de courant. C'est pas possible de pêcher les berges d'en face. Je pêche ma berge à moi. Il m'a quand même servi parce que j'ai jeté la canne la plus au bord en aval, vraiment sous les branches. J'aurais pas réussi à la jeter comme ça avec à la main. J'ai sondé, il y a 4,50 m de fond juste en dessous des branches. En plus, c'est vraiment pas mal. Il y a une petite fosse comme ça. Et c'est une berge vraiment remplie d'arbres sur des centaines de mètres. Alors, je pense que les poissons ils longent pas mal cette berge parce qu'il y a pas mal de branches qui vont au-dessus de l'eau sur 10, 20 mètres des fois. Ouais, pas 20 mètres, mais sur 5, 10 mètres, on va dire. Alors, j'ai amorcé 2-3 kilos de granulés de betterave, de pulpe de betterave et de baby corn, de bouillettes en 16, des bouillettes au thon là aussi, et de frolic et des tigers. J'ai mis une canne à la bouillette dense, celle en bordure, avec un stick et des pellets dedans, et une canne un peu plus dans le chenal, mais à quoi 15 mètres du bord, avec deux tigers et un stick aussi. Et celle-ci, je l'ai jetée à la main. Voilà. Aujourd'hui, j'ai de nouveau oublié la moitié. J'ai oublié mon rod pod. Alors, ça fait que c'était mon rod pod de canne. Ça fait que je pêche. J'ai que un piquet avec un Delkim, mais j'ai quand même sorti un autre piquet avec un V où j'ai pas de détecteur. Alors j'ai mis une boîte de conserve système D, quoi, à l'ancienne. Comme ça, j'ai quand même deux cannes. Ça va. Ouais, j'ai oublié mon trépied aussi de réflexe et ma GoPro. Pourtant, j'en ai du matos là-dedans, mais j'oublie toujours quelque chose. Hein, c'est comme ça. Hein. En espérant que la pêche, ça donne mieux que la préparation. Hein. Allez, on croise les doigts.
Alors, les hommes sont à AliExpress. Ben, il n'a pas bougé. Hein. Moi, je sais pas comment il y en a qui font. Hein. Ah, les amis, je vous avais dit qu'il y avait du beau poisson dans le coin. Ouais, si c'est pas magnifique, ça. Ouais, ça passe. Il y a 15-16 kilos facile. J'ai pas pesé, mais. Oh. Ouais, belle, hein. Belle commune. Oh, bah, le job est fait. Hein. Je suis content, là. Bon. J'ai eu ma carpe. Fait à la canne à la bouillette. Au début, elle mettait des coups de tête. Je pensais que c'était de nouveau un silure. Oh. Allez, voilà. Voilà, la cantine. Oh. Allez. Yes. Vive la rivière, vive la Moselle. Et fuck les haineux. Ah, je dis ça parce que ça faisait longtemps là, il y en a un qui m'a écrit, n'a pas aimé que je mette une vidéo de la Sarre. Mais franchement, je m'en bats les bips. Hein, parce que les rivières sont à tout le monde. Et ceux qui ont reconnu la rivière ou l'endroit, c'est ceux qui y pêchent. Il n'y a pas que lui qui y pêche. Alors encore, en plus si ça dit que ça pêche une fois par an. On les voit jamais les mecs. Et après ça, c'est ceux qui râlent le plus. Mais beaucoup de mentalité dans le coin comme ça. Et ça me dit à moi, belle éthique encore. Bah bravo. Aucun accueil, rien. Les gars, c'est des nationalistes, quoi, entre guillemets. Hein. On va voir personne d'autre. Yes! Allez! Là, c'est pareil. Ici, il n'y a personne. Personne. Même le chemin, il n'y a personne qui est revenu depuis des mois et des mois. Ça se voit, je suis le premier à être venu. Et on va me dire, t'en as pas marre de mettre des vidéos. Ben non. Et justement, vous savez quoi? Ça me fait même plaisir. Allez. On va faire l'autre côté. Ça s'appelle la frustration. C'est tout ce que ça s'appelle. Yes! Là, moi, ça va. Voilà, voilà. Ah, bah, ça commence bien. Alors, cet aspirateur-là. C'est magnifique. Allez, check! Et minuit 16, là je viens de faire un petit départ. C'était de nouveau la canne à plus au bord, à la canne à la bouillette, la canne à plus en aval. C'était de nouveau un petit silure, à peu près 1 mètre, 1 mètre 10.
J'ai tout de suite décroché, je suis pas sorti. J'en ai profité pour... j'ai pas relancé la canne, j'ai pris l'autre canne, je l'ai mis sur le bip, comme ça je peux dormir tranquille parce que j'ai pas envie de me réveiller et que j'ai une canne en moins. C'est déjà arrivé à un copain. Une fois, il pêchait au silure, hein, et son bip, il faisait que de sonner. Je dis, mais il était fort. Je lui ai dit, tu veux pas le mettre un peu moins fort? Et lui, il a abusé, il a trop baissé. On s'est réveillé le matin, il n'y avait plus de canne. J'ai rigolé un peu, mais bon. Là, il n'y a pas de bip du tout. Alors, bon, il y a une boîte de conserve, mais je sais que si je dors profondément, je ne vais pas entendre. Et pas envie. J'y tiens à ces cannes-là. Hein? Bah, ici, il y a beaucoup de silures. Mais bon, ça en vaut quand même la chandelle, hein, parce que la cape d'avant, elle était pas vilaine. Hein. Ouais, peut-être que la grande sœur elle va venir. Bah, c'est le petit bâtard là, ça y est. Ah, j'ai bien dormi là. Hein. Bah, la canne à la Tiger, elle a rien voulu savoir. Il est 7h30, je l'ai sorti, hein, elle pêchait bien. Hein. Il y a des jours comme ça, la Tiger, ça sauve tout, et il y a des jours, ils en veulent pas. Et après, c'est peut-être l'emplacement aussi, elle était un peu plus loin que les départs que j'ai eus. Je les ai tous eus en extrême bordure, vraiment près de la cassure, en bas de la cassure. Et du coup, j'ai relancé les deux cannes, vu que je suis réveillé. Hein. Maintenant, je peux entendre ma boîte de conserve, ça va. Et j'ai relancé les deux à la bidance, vu que c'est ça qui est à procurer toutes les touches. J'ai remis un peu d'amorce, de quelques bouillettes et pas mal de granulés là, de pelettes. Bah alors, un bon petit café et j'ai encore une bonne journée pour pêcher. En fait, je pense savoir quel est le problème par rapport à hier. Je pense pas que c'est la Tiger qui a posé problème, je pense que c'est plutôt le courant. En fait, j'avais choisi cette place parce que sur 10-15 mètres, il n'y avait pas de courant. Et d'un coup, là-haut, on voyait le fil de l'eau qui changeait de direction. Il allait même un peu à l'inverse. Et là, ce matin, il y a du courant, j'ai remarqué. Alors, c'est peut-être depuis hier soir que ça a commencé. C'est peut-être pour ça que les poissons ont changé de comportement. Je ne sais pas. Ils ont sans doute ouvert un barrage. On verra bien. En tout cas, c'est ça qui a changé, je viens de remarquer. Je viens juste de revenir, là j'ai ouvert un poste à 30 mètres plus bas. Ah, il est bien. Il a des pierres, des rochers là, elles sont disposées en assez plat. Parce que là, c'est casse-gueule. Là. Pour sortir le poisson là, c'est vraiment dangereux. Et en plus là-haut, j'aime bien, on peut bien lancer. Bon, c'est quand même, c'est arboré, il faut des petites cannes, c'est pour ça qu'il faut des petites cannes. Hein. Et je vais pas commencer à tout couper, moi j'aime pas ça. En plus après ça attire du monde, ça fait moche et du coup il y a moins de poissons après aussi. Hein. S'il n'y a plus autant de... On aime bien, moi j'aime bien les coins bien sauvages, c'est pour qu'ils le restent. Bon, allez, un deuxième café et on croise les doigts. Une petite astuce, bon, il y en a qui me disent les hameçons AliExpress, quand ils sont foutus, on les jette. Oui, ça coûte rien, c'est clair, mais moi j'ai pas envie de refaire tout mon bas de ligne, surtout là un blowback rig. Bon, franchement, il pique encore, mais pas comme au début. Alors, ça aussi, j'ai pris sur AliExpress, ça coûte 20 €, et voilà. Un petit coup des deux côtés, pas trop, hein. Et ça repique, ça, même mieux qu'au début. Hein. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que j'aime bien les aiguiser bien fins. Ah, ça pique fort là. Yes. We'll be right back.
les amis, la fin est proche, là, la fin de la pêche, hein, ça fait 24 heures là. Alors, résultat, 4 touches, 3 silures, une belle carpe. Alors, je suis content, heureusement. Hein. Et je viens d'avoir la visite du garde de pêche ici. Et ouais, il était sympa. Hein. Je l'avais déjà vu une fois il y a quelques années. Un peu discuté de toutes les saletés que les gens y laissent. Hein. C'est lui qui a commencé, moi j'en ai marre de parler toujours de la même chose. Hein. Et je vais remballer tout doucement. Peut-être qu'il y aura encore quelque chose, mais moi j'y crois pas trop. Là, il fait chaud là. Je pense que les poissons vont repartir en fraye bientôt. Si c'est pas déjà fait. Hein. Parce que l'eau est à 19-20 degrés là, alors ça se peut qu'ils avaient déjà frayé il y a un mois. Après il a beaucoup plu, il y a eu des inondations, ça a dû tout stopper et je pense qu'ils vont recommencer. Alors je vous dis une bonne déroule, à la prochaine et check.